Et bonjour tout le monde, on est de retour sur Fallout 4. Et vous voyez, je suis sur mes petites constructions, mes petites défenses que j'ai faites là. J'ai mis un peu de câble, comme vous voyez. C'est. Voilà, j'ai fait pas mal de trucs. Bon. Les finitions sont pas super, super. Genre là, ici. Bon, on ne peut pas passer, c'est le principal. Mais c'est pas facile à faire, du coup. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. J'ai mis un peu d'électricité par-ci par-là, sauf qu'il me manque du cuivre. Le cuivre, c'est une horreur sur ce jeu. J'en ai pas du tout assez. Tiens, il y a encore un pneu que je pourrais. Bonjour. Ah, t'es un nouveau, toi. Voilà, j'ai fait les petites défenses là. Mais ça, je vous l'avais fait en vidéo, donc ça, vous l'avez vu. Ces petites défenses là, j'ai mis de l'eau, mais qui ne fonctionne pas pour l'instant, puisqu'il faut, faut relier le câble, mais j'ai pas assez de cuivre. Ce qui me faut un pylône supplémentaire. Et j'ai pas assez de. Il me faut 4 de cuivre, je crois, et j'en ai que 2, donc je ne peux pas le faire pour l'instant. Enfin bref. On n'est pas là pour de la déco aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller faire les missions quand même. Faut pas déconner. Je reprends mon arme quand même. Hop, voilà. Donc la mission, c'est. Pardon. C'était. Ah oui, j'ai ramené aussi mon armure à l'entrepôt, enfin à l'atelier. Alors, voyons voir. Faut qu'on aille ici. La station Oberland. Alors on peut peut-être faire un voilà destination rapide jusqu'ici, puis on va se déplacer jusqu'à Oberland pour aller faire la petite mission. Alors j'ai fait un peu de stream comme j'avais dit dans l'épisode vidéo dans l'épisode précédent. J'ai voulu faire un peu de déco supplémentaire, mais malheureusement je n'avais pas assez de cuivre. Du coup je suis parti à la recherche de cuivre et en fin de compte je suis tombé sur une mission. Que j'avais pas prévu de faire en fait. C'est une mission avec des militaires qui nous avaient appelé à l'aide ou je sais pas quoi. Du coup je suis allé voir et en fin de compte ils nous proposent de les rejoindre. En échange ils nous fourniraient une armure complète. Je crois qu'eux ils sont méchants. What the fuck? C'est quoi cette ambiance là? Ok, je sais pas, il y a du brouillard, mais brouillard jauni. Comme l'impression qu'il y avait des vagues de radiation là, je sais pas. What the fuck? Je vais voir si à la radio ils nous disent quelque chose. C'est possible. Radio Diamond City. On va voir s'ils nous disent des trucs. Ah. Attends, t'entends pas, Aga. Attends, parce que. Donner un coup de main ou de fusil. Bref, cette personne les a aidés. J'imagine qu'ils vont pouvoir repartir d'où ils sont venus maintenant. Putain, mais c'est de la merde là. On prend trop de radiation. Bon, il parle de moi hein, dans le. Sheldon Allman demande à sa copine de quitter son abri anti-atomique, mais. J'aime pas du tout cette ambiance là. En fait, je gagne des radiations à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'abri. Je vais retourner par là. Hop, puis on va laisser la radio. Ouais. En fait, j'écoutais la radio en même temps. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé. Mais en fait, sur la radio, il parlait de moi. Ou, qui disait qu'on était allé aider les. Les Légions de l'Acier ou je sais pas quoi là, je sais plus comment ils s'appellent. C'est les militaires que je vous avais dit, la quête que j'ai dû faire. Je n'étais pas là. Du coup, ils me proposaient de les rejoindre. En échange, ils me donnaient une armure complète plus des armes sophistiquées. Mais du coup, ça veut dire, je pense que je ne peux plus être milicien en fait, puisque je suis engagé dans l'armée. Et c'est qui tombe là? Ah non, c'est ça, putain qui. Ah, attendez, parce que là ça va pas du tout, lui où il est placé. S'il produit une électricité, mais il est pas relié.
voilà. Hop, voilà. Non. Hop là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai fait ça aussi là, ça permet d'attirer de nouvelles personnes. Comme lui. Qui est venu très très bien, monsieur. C'est en train de tirer là-bas. Il y a des pierres qui essayent de venir. Et vous avez vu, il y a des gens qui ont essayé de venir nous piller. Pillard. Bien fait pour ta gueule. Bah alors, on est mauvais, on n'a pas réussi à passer. Ah, c'est bien foutu ça. Bon, ce qui est un peu mal foutu, c'est les morceaux de chair éparpillés là sur le mur. Et hey, c'est quoi ça? Tu as une sorte de moteur. Putain, c'est chiant, flippé. Ah non, ça je peux pas prendre. Bon, bref, maintenant que la tempête est passée, on va y retourner. Ouais, go. Avec la petite radio en fond. Ouais, du coup, pour en revenir à ce que je disais, ça veut dire qu'on ne peut plus être milicien, à mon avis. Donc j'ai dit que j'hésitais. Que je réfléchissais à leur proposition, mais je pense pas le faire, puisque milicien, j'aime bien le principe et aider les populations pour qu'ils se regroupent avec nous, en fait, tout simplement. Qu'on reforme un gros groupe et tout. En fait, partir de rien pour aller sur quelque chose de grand, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Partir de quelque chose de déjà grand, je m'en bats un peu les steaks. Littéralement. Mister Andy. Alors, ça, l'autre jour, ils m'ont tiré dessus, je ne sais pas pourquoi. Et ils sont très très forts. Ah oui, j'ai des nouvelles armes, je vous avais pas montré ça. J'ai ça. Ah bah attendez, je les ai... Voilà, j'ai ça. Snipe. Voilà. Bien joli. Et j'ai aussi... ça. Voilà, ça c'est ce que le militaire m'a donné. D'ailleurs le signal à F95 c'est les militaires. Donc on va y aller. Je vais garder mon pistolet pour l'instant. Que j'ai amélioré un peu d'ailleurs, j'ai mis un viseur holographique comme ça, avec un plus grand chargeur. C'est toujours mieux. C'est ici qu'on doit aller? Non, je ne crois pas, mais on peut quand même aller visiter, ça nous fait toujours un point de saut, on va dire. Voilà, brasserie Bintao. Est-ce qu'on y va? Déverrouiller, avancer, je crois que je peux le faire. Hop là. Ça y est. On y rentre. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, il me faut que je trouve le maximum de cuivre. Parce que tout ce qui est électricité, ça demande énormément de cuivre. Et en fait, j'ai fait l'erreur de recycler tout ce qu'il y avait dans la... Je peux pas activer ça. Okay. Bon, là, je prends tout. Là, clairement. J'ai fait l'erreur de recycler tout ce qu'il y avait dans la ville. Il y a des gens. Mais je n'avais pas encore débloqué une des... Merde. Oh putain, il y a une grenade. Il est où? Il est là. Tiens, dans la tête. Attendez, on va essayer notre arme quand même. Ça aurait été des justes. Ok, bon, je tire tout à côté, mais sinon elle a l'air plutôt bien. En fait, c'est de la merde. Je crois qu'en fait, ça doit être fort contre les robots. Les robots ou les personnes non humaines. Les personnes humaines, ça doit pas marcher des masses, j'ai l'impression. C'est quoi ça? Je crois que j'avais pas vu. Partout. Ah mais l'autre il l'a activé déjà.
Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Il est censé être à ma hauteur. Il est peut-être là à l'intérieur. Ouais. Oh! Tom de la tour! Il est badass. Je peux le voir là. Putain, le chien qu'on a. Le chien qu'on a rien à battre. Meurs. Et voilà, c'était le boss. En gros. Steampack, ouais. Anti-blindage. Armure à pointe, je m'en bats les steaks, c'est moins fort que ce que j'ai. Fusil de chasse, non. Ça, par contre, ça m'intéresse. Ah, ventilateur, il y a peut-être des. Allons-y. Ah, faut le déverrouiller. Putain. Bon. On va prendre l'ice. Oh gros coup de chat. Ok, parfait. La panade. Le gang devient difficile à contrôler. Il reste un paquet de bière. Ouais. Attends. Jackpot. Drag a monté les otages du raid dans ma pièce dès que je les ai vus. J'ai su qu'on était sauvés. Maintenant, Red va bien être obligé de négocier avec nous, à moins qu'elle préfère récupérer sa sœur en petits morceaux. Ok. Corvega. On dirait que quelqu'un a buté Jared. J'aimais pas beaucoup ce qu'aimé. Ouais. Alors, on va tout lire des fois que ça nous donne des missions. Comment elle a pu se libérer? Ah, attendez, ça va peut-être me donner. J'avais pourtant enchaîné cette salope au sol. J'étais à moitié endormi. Ouais, maintenant il y a du sang partout. Les tosses merdiers. Ouais. Ok, comme si l'on pleuvait. Bon. Ah, y a un ascenseur, on va y retourner juste après. Avant de voir, je veux voir s'il n'y a pas des trucs intéressants. Pas l'air d'avoir grand chose de ouf là. Ok, on y va. Bon, panneau d'ascenseur activé. Descente. Avec des trucs qui bug toujours autant. Oui, il y a un fusil à pompe comme ça. Ah, je suis un mongol, c'est. C'est ça. Quoi? Quand je passe devant, ça dire? Non. Putain, arrête le. Ok. Ah, bah si, c'est bien ça. C'était là. Ah, c'est nous ça. Je leur souhaite bonne chance pour, vous savez, survivre et tout ça. On dirait aussi que les miliciens ont participé d'une manière ou d'une autre. Je croyais qu'ils étaient finis, dissous pour de bon. Mais je me trompais apparemment. Alors, tant mieux pour eux. T'as niqué. Ça vous dit? J'en étais sûr. T'es costaud celui-là, putain. Pierre psychopathe, là. Ok. Putain. T'es badass. Bon. Ouais, là, j'ai plus rien. Ça me gratte, voilà, c'est bon. Paquet de cigarettes. Bon, bah, en fin de compte, pour l'instant... Drapeau américain, je sais pas si ça sert. Jet, ça sert toujours. Ah, j'ai cassé. Oh. Voilà. Joli. Faudrait que j'aille à Diamond City aussi quand même. Je pense que c'est un peu l'objectif principal. Meurs le cafard. Oh putain, il y en avait un autre. Eh ouais, tu t'es fait one shot, mon gros. Est-ce qu'il... Ok. L'autre, il entend un coup de feu, il dit oh, y a plus rien, c'est bon. Ok, voyons voir ça. Terminal. Résultat. Prévision quatrième trimestre. Bref, Zef.
Et rien. Si. Briquet à essence, ça c'est pratique. Tout ce qui est tourelle, on en a besoin. Ok, on va descendre. Lol, il joue au bowling. Très bien. Alors, où est-ce que vous êtes? Ils sont là. Oh putain, je crois que c'est qu'il y avait un mec. Mais c'est lui. C'est encore le chien qui l'a ouvert tout seul, la porte. Ouais, j'aime pas ta tête. Ils s'amusaient bien les pillards. Hein. Ok, bon, y'a rien de spécial ici, hein, franchement. Pas grand chose. Terminal encore. On va voir des fois qu'il y a des trucs importants. Information sur la visite de la basserie. Mais on s'en fout. Pas de visite maintenant. Ok, bah voilà. C'est tout. Il n'y avait pas grand chose. Hein. Je l'avoue. Allez. Ah mon dieu. Ces chargements là, toujours aussi longs, putain. Du coup, faut qu'on aille par là. Donc allons-y. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas 2-3 trucs à loot. Non. Putain, il y a des Hulk. J'ai pas trop envie de les... Ou alors... je teste mon snipe. Super mutant. Attendez. Non. What the fuck? Je me casse, c'est bon, j'ai compris. Attendez. Hop, je prends cette arme. Où est-ce qu'ils sont? Ok, un. Suivant. Il est là-bas. Fouh. C'est vraiment des Hulk en fait. Et il a une planche sur lui. Génial. Je suis content. Et lui, qu'est-ce qu'il avait? Capsule, cartouche. Un ours en peluche. Génial. Et hop, on recharge ça. Ah non, c'est bon, c'est déjà rechargé. Ok. Pourquoi pas. Je sais pas ce qu'il foutait là, les super mutants, je sais pas quoi de mon cul là, mais... Ils font peur. Bien résistant. Bon allez, on va aider les messieurs. Messieurs, mesdames. Là-bas, ça doit être ça, je suppose. Go. Oh oui. Regardez, il y a encore... Tomate. Je prends tout parce qu'après moi j'en ai besoin pour les plantations. Ce sont les miliciens qui vous envoient ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens vous aider. Qu'est-ce qui se passe ? Les pillards nous persécutent. Ils prennent notre nourriture, notre matériel. Et ils nous menacent quand on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Eh bah venez nous rejoindre. Mais on n'est pas capable de leur résister tout seul. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ces pillards. Tant mieux, on ne savait pas quoi faire. Oui. Attends, je te pille un peu, et puis après on gueuse. Hein. Voilà. Le chien là qui me... Ah non, c'est que je suis trop lourd. Merde, j'ai pillé trop de tomates, merde. Bah du coup on va manger des trucs. Divers, non, soins. Voyons voir, porc ou haricot. Quoi? Mais ça m'est pas que ça me donne des radations. Voilà. Attends, faut que je vire des trucs. Une planche. Bah ça par exemple, c'est de la merde. Je peux jeter. Compensation anti-blindage.
ça c'est pas mal. Plutôt que mon truc. Ah quoi que non, c'est pas fou. Je vais ramasser le mien. Qui était celui-là. Voilà. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Par là-bas. Allez, go. Vas-y, mon chien passe devant. Des champignons partout. Oh, du loot. Right away. Scroll. Rien de sensationnel. Ok, on continue. Alors, attendez, je vais regarder d'abord où est-ce que faut qu'on aille, parce que ça se trouve, c'est à 12 km. Non, c'est juste là, ok, c'est bon. On peut y aller. Hop! Vas-y, le chien passe devant, je te suis. Là, il y a des constructions là. Personne dedans? Non. Ah! Pas très en forme en tout cas. Crâne de Brahim sans mâchoire. Très intéressant, mais je m'en bats un peu les steaks en fait. Ça m'intéresse pas tant que ça. Hein. D'ailleurs, j'ai mis une mangeoire à Brahim, enfin une baignoire quoi. je sais pas si ça va en attirer ou pas. Parce que j'ai vu qu'on pouvait s'en servir de mulet pour transporter nos choses. Je sais pas du tout si c'est possible, mais j'ai vu qu'il y avait des pillards qui s'en servaient comme ça. Kenico a trouvé un. Oui, Kenico. Il est vénère lui, mais pourquoi t'es vénère? Je sais quoi. Une nouvelle chance s'offre à vous. La communauté de. Mais ça tire de tous les côtés, ça tire là-bas et là-bas. Au nord-ouest d'ici, je crois. Je leur souhaite bonne chance pour, vous savez, survivre. Il parle encore de... On dirait aussi que les miliciens ont participé d'une manière ou d'une autre. Je croyais qu'ils étaient finis. Meurs. La chanson, je veux dire, c'est Ella Fitzgerald. Génial. Oh putain de merde! Balance des grenades. Putain! Putain, ça lui fait zéro dégâts de moi. Ok, je me casse. Il est concentré. Oh, joli décrochage de tête. Cartouche de Steampack, ça fait cool. Ok. Vous. Cartouche, mitraillette. Ah, nice. Ça, je prends. C'est toujours mieux que mon pistolet. Putain, du coup, je suis trop lourd. Ok, et l'autre là-bas. Attendez, on va le déloot. Je vais encore enlever des cocktails molotov qui me servent à rien. Pof, qu'est-ce que je peux enlever? La matraque. La mitraillette, bah, je vais m'en équiper. Je vais la mettre en favori ici. Des mines, je sais pas si je vais vraiment m'en servir des mines. Grognac le barbare. Très bien. Cristal ressort engrenage, mais ça c'est lourd par exemple. Ça c'est lourd. Mais ça donne de l'aluminium. C'est un peu chiant. Bon, ça par exemple, je m'en bats les steaks. 20. Boîte de conserve, je peux les jeter les 45 parce que j'ai à peu près 12 000. Ah, c'est une Topson avec un gros chargeur.
Tapis d'armes, Medex plus fou. Ok. Rien d'autre ici. Tout pouilleux. Ok, bah go. Non, je veux pas tout déverrouiller, faut pas déconner. Ça sert à rien. On va ressortir. Par là. Et on va... Là, je suppose qu'on va passer. Activer. Ah si. Ah, bonjour, monsieur, madame. C'est là-bas que ça tient. Ah mais on est près de Diamond City là. Ok, je crois que j'ai eu le super mutant. Alors. Non, c'était pas toi que je voulais, c'était toi. Ah putain. Et c'est que des super mutants. Attendez. Oh. Non, pas toi. Pas toi non plus, c'était toi que je voulais. Comment ça, je peux en faire qu'un? La merde. Lui. Putain, il défonce les planches en bois là. Ah, j'ai vu qu'il y avait un mec qui passait. Il est où? Je le vois pas. Mais il prend zéro hein. Et je le vois même plus. Avance, doucement. Je vais essayer de balancer une grenade peut-être. Cocktail Molotov. Non, c'est comme ça. Oh oh, c'était pas ça du tout que je voulais faire. Accepter, choisir. Hein, non. Feu. J'avais tout tiré à côté. T'es très fort. Les humains sont trop stupides et faibles. Je ne sais plus comment je balance mes... Ah ça y est, le chien qui s'y mêle. Escarmoucheur super mutant. Putain lui ça allait être le boss. Ah. Putain, j'en ai eu un. Deux. Ok, quasiment pas de recul. Je m'attendais à avoir des armes qu'un recul de port, mais pas du tout. Quel miracle, pourquoi pas. Ok, bon, j'espère qu'ils ont masse... What the fuck, on dirait un piège. Je sais pas. C'est quoi ces trucs là? Sac à viande. Oh mais c'est dégueulasse. Ah. C'est horrible. C'est eux qui mangent ça là? Os de jambe droite. Mais je prends pas les steaks de ton os. C'est dégueulasse leur truc là. Super mutant de porc. Capsule, cartouche, arme à verrou, je m'en fous. Plastron en métal, poids plume, ça peut être intéressant, je vais voir ce que ça donne. Ah mais attends, je crois que je suis un mongol. Non, c'est ça que je voulais. Et oui, je n'ai plus mon... J'avais mis mon haillon là. Putain, je suis un peu... Tu vas en jeter un du coup. Tiens. Tiens. Toi tu peux jeter. Qu'est-ce qui est le mieux? Non ça c'est nul à chier.
Ça jeté. Voilà, bah oui, je prenais trop cher à cause de ça aussi. J'avais plus d'armure. Bon, ça m'a coûté quand même 3 steampacks l'affaire. Putain, c'est génial, je peux monter sur les toits. Ici, ça ferait une trop bonne planque, quoi. Mettre des défenses là sur les toits. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Merde, merde. J'ai déjà pris, ouais. Ok, bah, c'est quoi ça? Non, c'est une pillard. Ok, c'est bien dégueulasse par là. Ah, lui, j'ai pas fouillé, je crois. Ouais. Viande d'écorcheur. Je prends, ça fait toujours. Ok, go. On peut descendre. Et on va aller bah, à Diamond City. Là, je vois que c'est juste par là. Il y avait une flèche. Protected by the wall. Moi, je vois surtout une tourelle. Radix. C'est trop dur pour moi. Ok. Je sais pas où c'est pour quelle la tourelle. Je sais pas si elle est amicale ou pas. C'était Personality de Johnny Mercer. Ok, on continue. Il y en a encore une là. Alors, cette station de radio, elle rappelle pas une seule capsule. Merde alors. Et des vous avez gens, pas peur des mutants, hein. Des gens. Vous d'accord. Oh. Arrêtez de foutre de moi, Danny. Je suis en terrain découvert là, bon sang. J'ai reçu l'ordre de pas vous laisser entrer, mademoiselle Piper. Je suis désolé, je fais juste mon travail. Pour la suite. Ah, vous faites juste votre travail. Alors maintenant, pour protéger Diamond City, il faut me laisser dehors, c'est ça? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le monde. Je suis désolé, mais le maire est vraiment foudrage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassis de mensonges. Toute la ville est sans dessus dessous. Ah, parce qu'il y a quand même des journalistes. Bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte, Danny Sullivan. J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Ouvrez-moi cette foutue porte. Ah oui. Si tu lui dis je voulais chier les couilles, à mon avis, ça passera mieux. Vous, là. Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai? Qui êtes-vous? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois? La pute. Vous avez entendu ça, Danny? Alors, vous nous laissez entrer ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle a... Pourquoi je suis en quel but? C'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite. Je suis en quel but? Que c'était du bluff. Ah merde. Ouais, ouais, allons-y. Allons-y. Encore une belle journée à Diamond City. Je suis en quel but, la meuf? Ouais, ouais, venez, hein, tu m'aides à rentrer, on est bien et tout. Bonjour. J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fouille merde. Le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces détachées. Ah bon? Puis-je vous citer, monsieur McDonough? Le maire tyrannique veut museler la... Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression? Oh, tu m'emmerdes. Je souhaite l'acheter à la poubelle. Pas mes affaires. Cette affaire ne me regarde pas. Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mon bon monsieur. Non, non, non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent, si vous comptez vous y installer, ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête. Ah ouais, peu importe. De toute façon, je compte pas rester longtemps. Ah, je constate que vous non plus, vous ne voyez le mal nulle part. Vous vous intégrerez parfaitement à nos incapables de garde. Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise? Personne. Je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un? Qui donc? Un garçon. Un petit garçon. Il a été kidnappé. Vous dites qu'il a été kidnappé? Alors, McDonough, est-ce que la sécurité de Diamond City a l'intention de mener l'enquête sur cette histoire? Et au sujet de toutes les autres disparitions qui vous ont été signalées? Ne l'écoutez pas.
Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. Ouais. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Qui peut aider ? Une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider ? Je regrette de ne pas avoir le temps de répondre à d'autres questions. Mais je suis très pris. Je vous souhaite un excellent séjour dans notre belle ville. C'est ridicule. La sécurité de Diamond City ne peut même pas envoyer quelqu'un pour aider. Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que la sécurité ne s'intéresse jamais à la plus cassé. Attends, elle va péter les couilles. Dernier avertissement. Elle peut peut-être m'aider, mais... Ça, continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Un accueil typique de Diamond City de la part de notre mère. Quel honneur, hein. Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps pour me poser, mais passez à mon bureau tout à l'heure. Ah oui. J'ai une idée d'article vous concernant, ce serait parfait. Oui, je pense surtout qu'on pourrait faire des trucs intéressants. Allez-y, entrez. Ouais, ouais. Vous êtes Sullivan, c'est bien ça? Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper? Quelque chose me dit qu'elle m'a encore enfumé. Ouais. Pardon. Je n'avais pas l'intention de vous mentir, mais tout est allé si vite. Ah, bien sûr. C'est même allé tellement vite que vous avez oublié les bases de la correction. Votre frère vous a jamais appris l'honnêteté. Au fait, qu'est-ce qui vous amène? Ce sera un bon point pour moi si je le note sur le registre. Personne n'espère de trouver quelqu'un. Ah bon? Qui donc? Un garçon. Un garçon. Il a été kidnappé. Ah, je suis vraiment désolé. Mais on a ordre de pas se mêler des histoires de disparition. Il y a beaucoup de paranoïa en ce moment. Pourquoi tu te tournes à chaque fois? Et une action officielle risquerait d'envenimer la situation. Vous imaginez si les gens se mettaient à paniquer? Oui. Aidez-moi. J'ai juste besoin d'un renseignement ou deux, Danny. Ça peut rester entre nous. Je suis désolé, mais c'est impossible. Ah. Ok. Si on faisait affaire, vous me donnez des informations, je vous paye. Les pots de vin, très peu pour moi. C'est non. Dans ce cas, je vais aller demander ailleurs. Ne vous découragez pas. Il y a peut-être quelqu'un qui pourra vous aider en ville. Ouais. Connard. On va voir comment ça se passe en ville. Bam. Je suis niveau 10, tiens, j'avais même pas vu. Un collecteur d'eau. Ah. Oh. Pas mal. Nice. Ça, c'est joli. Bah, on va s'arrêter là. Pour cet épisode, on va... Dans le prochain épisode, on découvrira cette... On découvrira cette grande ville magnifique, enfin qui a l'air magnifique en tout cas. Pas mal lumineuse, hein, franchement, ça me plaît pas mal. Hein, on est dans des modes un peu steampunk, comme j'aime bien. Parfait, 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 j'aime beaucoup. On est d'intérieur d'un stade, non, un truc comme ça, je sais pas, j'ai l'impression. Enfin bref, moi je vais vous laisser là, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, allez, tchuss.